Son épée, c'est coincé dans le sang. C'est pas embête, on va dire. Hop. Salut, salut et bienvenue pour le Stormbringer numéro 3. Voilà. On rattrape petit à petit le retard. Je crois que j'ai été chercher le... Combien j'ai dit 13 aujourd'hui, c'est mes pouces. Oui. Déjà, quand... 10, ça va. Je pense. Ouais. Avec ce numéro, on a 5 Vindictors. Donc, on les a vus aussi dans... Dominion. Donc, voilà. Dominion dans le meuble, dans la chambre. Dominion à la V3 de Age of Sigmar. Donc, les grappes. Donc, c'est du clipsable. Il n'y a rien à coller, c'est du clipsable. On a un porte-étendard. On doit avoir un champion. Et après, ils ont des boucliers, des lances. Et les prochains libérateurs sont quasiment inspirés. Hein. On a vu les photos hier des prochaines sorties sont inspirées des Vindicateurs. Qui sont plus élancés qu'une cape style romain, enfin grec comme ça, quoi. Que les anciens qui étaient un petit peu plus trapus. Donc on en reparlera plus tard, beaucoup plus tard. J'ai pas tant cherché dans le meuble parce que j'ai eu un peu la flemme, puis qu'il fait noir dans la chambre, il faut que la personne est cassée. Mais sinon, voilà, j'ai pas tout cherché. En fait, on avait. Ah non, j'allais dire, on a fait des balages, mais du bien, Dominion, mais il était un grappe aussi. Donc, dans ce fascicule, on a le royaume des bêtes. Donc, comme je rappelle, il y a plusieurs royaumes mortels. Hein. Il y a le royaume des morts, la lumière, etc. Et il y a celui des bêtes. Avec, où c'est même dans les derniers Warcry, hein, ça se passe dedans. Même la forêt mange un petit peu les gens. Je sais pas si tu te souviens, la forêt avec des joueurs de muscles un petit peu dessus. Oui. Ça se passe dans le royaume des bêtes, le royaume de Gur. C'est une terre des monstres, hein, les gurs, enfin la guerre en gur, hein, même le paysage est un petit peu tueur quoi là-dedans. Le contexte, les gueules qui crasent, c'est les montures des orques, c'est les grosses bestioles, et les carnosaures, ça c'est pour les hommes lézards. Ou les hommes lézards, c'est les séraphons. Les vindicateurs, donc il y en a 5. Maintenant on a comme à chaque fois la personnalisation. Les origines, leur nom. L'armure est. Maintenant, c'est l'armure fulgurante qu'ils appellent ça. C'est un peu changé par rapport aux armures d'avant. On peut leur donner un trait d'unité. Enfin, vraiment, comme dans Imperium, être personnalisé, leur donner un nom. Ici, tous les tableaux de noms. Ça, on en aura par la suite. Et ici, le montage. Donc, c'est à clipser. Ils sont montés, il n'y a pas besoin de coller. On peut les coller pour renforcer, hein, si des fois des bras qui ou des têtes, ou je pense des fois des boucliers qui tiennent pas très bien, on peut dans ce cas-là les coller. Mais c'est tout le clip ça. Il y en a 5 figurines avec 3 normales, un porte-étendard et un chef. Ensuite on a la partie avec les règles, donc on continue avec les règles, comment on utilise les dés. Donc, je vous explique, hein, vraiment le dé, qu'est-ce que c'est avec les points, le résultat, comment on le lit, qu'est-ce que c'est que la face. Comment on jette un des trois. Donc ça c'est un... Si le résultat fait 1 ou 2, bah, ça fait 1, 3 ou 4, ça fait 2, 5 ou 6, ça fait 3. Quand on divise tout simplement par 2. Ou... Les D3 ils sont pas en triangle. Non, non, ça c'est la D4. Tu peux pas avoir un D3. Tu peux pas avoir 3 faces sur un dé. En fait, tu prends un D6, tu divises le résultat par 2. Sinon ça ferait un dé avec 3 faces, ça c'est pas possible. Ça serait une... C'est même pas le permis c'est à 4 faces. Donc non, c'est... Ou si vous avez de la chance comme moi d'avoir des D3, et en fait ils sont numérotés de 1 à 3 deux fois. J'en ai deux. Comme ça. Mais le D3, en fait, tu divises le résultat par deux simplement. Est-ce qu'il y a les D10, les D12, les D20, les D4, les D8, je vous l'ai dit, D6, mais des D3, non, mon connaissance, il y en a pas. Il y a le D100 aussi, c'est une boule, je peux nous dire une fois. Ouais, comment il s'arrête ce truc? Ben, vous voyez, il peut s'arrêter. Ça ressemble à une boule. Donc, il s'arrête sur un obstacle ou je sais pas. Le tir au dé, donc comment on tire le dé, comment on doit faire les modifications de dé. Les dés tombés, donc s'il est pipi, comme on dit, ben, on peut le relancer. Donc, vraiment, toutes les règles sur les dés. Bon, bien sûr, comme ça, après, qu'on peut pas tricher. Les chartes d'unité. Donc, qu'est-ce qu'une charte d'unité? Donc, ça, on en a à chaque fois dans les boîtes de base ou dans des boîtes d'armée, etc. On a des chartes d'unité dedans, donc il nous explique comment on les décrypte. Les armes, les jets de touche, les blessures, les sauvegardes, les pions, et le petit scénario, donc la partie test. Donc là, il nous faut
Le Knight Incantator, 2 Vindicators, le chef Quellball, ici, et 3 Quellball ici. Donc, le terrain, l'engagement. Et on va profiter pour montrer le terrain, on avait déjà fait de le montrer la fois passée. En fait. Il y a la tag et Vindicator, le bosquet. Donc là, c'est vraiment le scénario, on a vu ça suivre et avancer de rond en rond pour les combats. C'est vraiment les premiers tests, enfin les premiers exemples de combat. Qu'est-ce qui se passe si les éternels légales ou les Crown Boss ou l'égalité, tout petit truc, il fait, enfin, on peut refaire la partie. Dans le numéro 4, on aura 4 pots de peinture et un starter brush. Voilà. Dans le 5, on aura la figurine spéciale dans Hachette, hein, de la série, le Praetor Primus. Ici, ça ressemble à un Praetor tout simple, donc là, c'est vraiment le figurine qu'on a avec Hachette, ou en convention, Games Workshop, on ne le trouve pas sur leur site, quoi, je veux dire, c'est vraiment une figurine qu'on trouve que dans des collections. Je vais montrer le terrain qu'on n'avait pas montré la fois passée. On avait fait le déballage du 1 et du 2, mais on avait totalement zappé le terrain. C'est pas, il y a un poster aussi, mais du coup j'ai mis. Donc on a un terrain comme ça, vide, neutre. C'est par exemple un terrain un peu désertique. Quoi. Et le terrain pour les premiers scénarios avec les ronds pour placer les figurines et les déplacer. Là, il n'y a pas encore l'histoire de raglette, on les déplace de rond en rond. Mm-hmm. Alors, j'espère qu'ils vont le refournir plus tard sans les ronds, ça sera mieux. Ça sera bien. Et je vais voir si je retrouve le poster. Yeah. En fait, le poster c'était la fiche de du magazine. Quoi. Bah, c'est la meuf. Ouais, voilà, c'est le poster. Il est. Si t'arrives à le déplier. Oui, il plie comme ça. C'est voilà, Hydra, hein, la lance céleste. Hein, c'est la. Ouais, c'est Hydra, ce qu'on avait vu l'autre jour, elle fait la figurine. Mm-hmm. Poster qu'on avait mis en fond dans mes vitrines. Mm-hmm. Et on a aussi du coup le petit topo là, avec la collection complète. Les magazines comme ça, le numéro 4. Mm-hmm. Et de l'autre côté, hein, la collection, puis du coup les royaumes mortels, enfin tous les petits blablas qu'ils donnent à chaque fois. Quoi. Des posters, on en a dans chaque série. Ben, je les mets pas au mur parce que ben, on n'a pas de place. Bah ben, on n'a pas de place, puis quand on met le projecteur, ça serait prostitué. Bah tu peux en mettre un dans le coin, mais c'est tout quoi. Tu dois sélectionner. Ben, je peux en mettre un là et un là, c'est d'accord. Ouais. Voilà. Donc voilà, ça c'était le numéro 3 avec les Vindicators. Puis on se dit à la prochaine pour le 4, le 5, numéro, le 6, voilà. Etc. Allez, j'espère que ça vous a plu, puis on se dit à la prochaine. Oui, juste un dernier truc. Les Vindicators sont vendus à 45€ sur Games Workshop pour, je crois qu'ils sont 10. C'était le petit truc en plus à rajouter. Ok. Voilà, ils sont 10 et là, on en a 5 pour 10€. Je ne sais plus s'ils sont clipsables. C'est les mêmes grappes, non? Je dis plus. En boîte, et donc c'est l'éclipse, ça, c'est les mêmes grappes. Voilà, c'est les mêmes grappes qui sont mis à part une fois que la boîte de jeu était sortie. Donc voilà, on peut finir. Ouais, allez, salut, à la prochaine. Au revoir.